On va filer retrouver notre ami Arnaud Miguet, bonjour, qui est à Pékin en direct pour nous ce matin. Pourquoi ? Ben, pour nous parler du Japon, parler de nourriture, de fruits et légumes cette saison. Alors au pays des sushis, on se met tout doucement au bio. C'est assez surprenant d'ailleurs que les produits bio ne soient pas plus développés au pays du soleil levant. Cela dit, ils tuent bien des requins par milliers. Hein. Oui, c'est vrai, c'est très surprenant dans un pays qui est réputé pour sa bonne nourriture. On mange très bien au Japon. Tokyo est la ville où il y a le plus de restaurants étoilés au monde. Mais le bio a beaucoup, beaucoup de mal à percer alors que ça marche à peu près partout dans le monde. C'est en augmentation, le marché, une augmentation à deux chiffres. À titre d'exemple, le marché du bio au Japon l'année dernière, c'est 1 milliard d'euros. Quand en France, c'est 8 fois plus, 8 milliards d'euros, alors que le Japon est un pays qui est deux fois plus peuplé. Mais le bio commence à arriver tout doucement, ce qui n'est pas facile parce que les Japonais ne sont pas habitués aux circuits courts. Ils travaillent beaucoup plus en coopérative, mais ça commence à arriver. Nous sommes allés à l'ouverture d'un nouveau magasin bio. C'est d'ailleurs une enseigne française. C'est un reportage, un sujet, regardez, de Justine Jankowski. C'est une petite révolution dans le centre-ville de Tokyo. Bienvenue dans l'un des rares magasins bio de la capitale. Ici, ces salades soigneusement emballées sont un grand luxe. Il n'y a pas beaucoup de boutiques de ce genre à proximité. J'aimerais vraiment qu'on puisse trouver facilement des produits bio et à bon prix. Car au pays du soleil levant, seul 1,5% des terres agricoles est cultivé en bio, un marché qui pèse à peine 1 milliard d'euros, c'est 8 fois moins qu'en France. Alors forcément, Yuya Shibakai est une espèce rare. Il s'est lancé dans l'aventure du bio en précurseur. Aujourd'hui, il a 400 hectares de culture sans pesticides pour ses jeunes pousses et ses laitues certifiées bio. Sans aide, les agriculteurs bio sont étonnamment peu nombreux. Honnêtement, c'est difficile d'avoir un bon rendement en bio. C'est un système pas très productif. Je dois ramasser les mauvaises herbes à la main, tout en maintenant à flot mon entreprise. L'important pour nous, c'est de capter l'attention des jeunes générations sur notre façon de travailler en bio. Et il a trouvé comment attirer une clientèle jeune. Pour les Japonais habitués à des légumes bien calibrés, il a créé ses assortiments de salades. Il en vend 600 par semaine. Le début du succès. Mais pourquoi autant de retard, Arnaud ? Comment ça s'explique ? Ça tient en un seul mot, kawaii, ce qui veut dire joli en français, ça veut dire mignon. En gros, un fruit doit être bien emballé, bien calibré, tout tient dans la présentation. Seuls les beaux fruits et légumes sont dignes d'être vendus. Alors ça ne veut pas dire qu'on mange non plus n'importe quoi, puisqu'il y a une traçabilité, mais ce n'est pas certifié bio, tout simplement. Manger un fruit, c'est tout un cérémonial au Japon. On apporte, quand on est invité à un dîner, on apporte un fruit, alors que chez nous, on apporterait une bouteille de vin. Et c'est des fruits qui peuvent se vendre une fortune. Il y a un mois, 2 melons ont été vendus, tenez-vous bien, 25 000 euros aux enchères, c'est le prix d'une voiture. Plus généralement, le prix à l'unité et le prix au kilo chez nous, c'est, enfin, là-bas on le vend à l'unité, une carotte c'est 1 euro, c'est pas rien, une pomme 5 euros. Donc il y a une forte demande et on est prêt à y mettre le prix, mais les Japonais sont finalement très loin de vouloir se mettre au bio. Merci beaucoup Arnaud et passez une très belle journée.